Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Salut à vous tous les geeks. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une petite application, voire deux applications qui vont nous permettre de numériser via directement avec Siri. Ça, c'est top puisque on va donner qu'une seule commande. On va demander à Siri, par exemple, scanner un document. Il va nous lancer le logiciel en question. On va prendre nous-mêmes la photo avec le petit bouton comme d'habitude, et ensuite via un deuxième logiciel, tout sera accessible via le voice-over. Et en plus, l'OCR sera ultra correct, et ça, c'est vraiment génial. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes, et surtout pensez à vous abonner à la chaîne Vision High Tech pour suivre tous les tutos et démos numérisés avec Siri par le biais d'une commande. Voilà, donc tout d'abord, vous allez devoir télécharger deux applications ultra importantes. Une qui va être Adobe Scan Acrobat. et la deuxième Acrobat. Une fois que vous aurez chargé ces deux applications, vous allez aller dans Réglages et dans Siri. Réglages. Siri et recherche. Siri et recherche. Sélectionner réglages. Là, normalement, vous allez trouver le choix pour créer votre raccourci Siri avec Adobe Scan. Adobe Scan, créer une numérisation. Adobe Scan, créer une numérisation. On va le valider. Annuler, bouton. Et ici, on nous demande de créer l'empreinte vocale pour lancer Adobe Scan pour numériser un document. Annuler, ajouter à Siri, en tête, créer une numérisation. Ce qui va permettre de créer un raccourci Siri automatique. Adobe Scan. Expression enregistrée. Dites par exemple, créer une numérisation. Une fois votre expression personnalisée enregistrée, Siri peut l'utiliser pour dire à Adobe Scan d'exécuter ce raccourci. Lancer l'enregistrement. Bouton. Scanner nouveau document. Expression enregistrée. Scanner nouveau document. Très bien, on va valider. OK. Tout en haut à droite, OK. Siri. Le travail de ce côté-ci est terminé. Réglage. On va pouvoir maintenant demander à Siri de lancer. Voilà, donc on peut maintenant lancer notre commande vocale et voir comment Siri va se débrouiller. Dit Siri. Scanner nouveau document. Paramètres. Annuler la numérisation. Prendre une photo. Bouton. Ça prend la photo seule. Une fois qu'on a terminé de prendre notre photo, à la droite du bouton pour prendre une photo, on a Revoir les photos. Bouton. Revoir les photos. Annuler la numérisation. Ici, notre photo qui a été prise et on va l'enregistrer. Édiscan. Bouton. Et ce bouton se trouve tout en haut à droite. Édiscan. Bouton. Enregistrer le PDF. Bouton. Enregistrer le PDF. Enregistrement au format PDF. Point de suspension. Une fois que vous avez fait ceci, enregistrer le PDF. Reconnaissance du texte. Point de suspension. Alors, une fois que le document a été pris en photo, on entend donc Aujourd'hui, 18-28. la reconnaissance de texte qui se fait, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir trouver le bouton Aujourd'hui, partage. Ouvrir dans Acrobat. Bouton. Ouvrir dans Acrobat. Accueil. En tête. Acrobat. Bienvenue. PDF. À ce moment-là, Ouverture. une petite boîte de dialogue s'ouvre qui vous dit ouverture, et le document vous sera lu directement. Société de barre oblique Auch Sermon, si j'étais Barack Obama, j'y tilde, sir tilde, SCE que j'aimais particulièrement chez Obama, c'était son humanité, son flegme et son humour. À mes yeux, c'était Martin Luther King multiplié par Will Smith, ce tilde. Le plus cool des hommes a tilde rencontré le Béalus classe des Jobs, plus cool des hommes avaient rempu centré je plus classe des Jobs. Voilà donc comment créer un petit raccourci Siri à partir de Adobe Scan et à partir d'Acrobat. Vous allez donc pouvoir vous créer des petits fichiers pour les étudiants, pour toutes les personnes qui veulent numériser leurs documents, leurs courriers, tout simplement, très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à partager comme d'habitude. Et je vous dis donc à très bientôt sur Vision High Tech. Je vous dis à bientôt. Salut à tous. Stop.